répète. Les... J'ai dit qu'on allait faire du thé. Sors ton cahier. L'état. C'est quoi l'état, hein, madame? Tu vas le voir dans le test. Ces très petits oiseaux à celle d'un serin. Oui, c'est quoi un serin? Tu n'avais qu'à le savoir. Quoi? Ils adorent dépouiller. Madame, c'est quoi dépouiller? C'est enlever les poux de vos sales têtes. Les causes des épicéas. C'est un arbre. Encore un crétin ! Va en voir ! Le grenade. Le chant du mal est... Oui? Vous allez trop vite, j'arrive pas. Je vais assez lentement pour que tout le monde suive. Débrouille-toi! Qui es-tu? C'est quoi cet habit? Bah, ce sont des habits dans le mot. Et c'est quoi ça? Où est ton cahier? Bah, je suis sans rien. Silence! Débrouille-toi pour suivre les autres. Quoi ça? Madame, pourquoi vous la punissez? Ce ne sont pas ses affaires. L'eau. Indice de la présence d'un couple nicheur. Quoi? Oui. Ça veut dire quoi, nicheur? Tu n'avais qu'à le savoir. Range vos cahiers, la dictée. On va aller en récré. À la fin du rang. Dépêche-toi!
parle de quand? Il est pas là. 2014. Tu veux venir jouer à saut de mouton? Pourquoi? C'est un jeu là où c'est au-dessus des personnes comme ça. Pourquoi on joue pas plus pour un dessiné? Avec quoi? Un dessiné. C'est quoi? On peut manger le gâteau? Mais bien sûr! Même sans se laver les mains? Mais gare à celui qui met une miette par terre! Sortez vos cailles!
nous allons faire de l'arithmétique. Oui. C'est quoi de l'arithmétique? Qui peut me dire ce que c'est de l'arithmétique? Oui, ma chérie. Ce sont les calculs. En voilà une bonne réponse. Ah, des maths, je vous dis des maths. C'est quoi cette façon de parler? Bonne et Dan. Commence. Mais où sont mes craies? Ne bougez pas, je vais chercher des craies. Mais comment vous faites pour supporter une prof pareille? Chut, elle a dit pas de bruit. Mais c'est normal, on a l'habitude. Elle est comme ça. Et si on n'est pas sage, on recevra un coup de bâton. Et si on a des mauvaises notes, on reçoit beaucoup de coups de bâton. Vous exagérez, elle n'est pas si méchante que ça. Et toi, comment t'es venue ici? Je sais plus très bien. J'étais sur la scène en train de faire le spectacle de fin d'année. Et puis je me suis retrouvée ici. Tu parles de cette scène-là, mais notre maîtresse nous a interdit de monter dessus. Mais je veux bien aller voir ce qu'il y a derrière le rideau. Copiez-moi ça et écrivez les réponses. Plus vite que ça. Soigneusement. Madame, on peut rester en classe pour finir le calcul. En voilà une bonne idée. Pour une fois que quelqu'un a une bonne idée, oui. Moi, je vais surveiller la récréation. Ne peur que personne ne bouge et pas un mot. Mais où est-ce qu'ils sont? Où sont mes élèves? Où
élève dont on m'a parlé. Comment est-ce que tu t'appelles? Marie-Rose. Bon, enfin, les enfants, quel accueil. Bienvenue, Marie-Rose, tu peux aller t'installer près de nous. Stop! Dites, c'est comme ça qu'on accueille les nouveaux enfants? Que se passe-t-il, Léonore? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est cruelle, c'est une vieille sorcière, elle est méchante. Mais vous n'êtes vraiment pas sympathique, hein. Quel accueil. Elle est toute mignonne, cette Marie-Rose.